Et salut tout le monde, c'est Jean-Bloc et on se retrouve pour ce 13e épisode du Let's Play sur le DLC d'Assassin's Creed Odyssey qui s'appelle l'héritage de la première lame. On s'était laissé sur des moments tristes lors du précédent épisode. T'inquiète, ce n'est plus. Et oui, l'ordre a eu sa peau. Et ils ont kidnappé le gamin de Cassandra, donc une femme en colère. Une mère en colère, surtout Cassandra. Ah, le mélange, il va être violent. Parce que voilà, on s'est laissé, on s'est un peu plus. Ça, c'est toujours dans les trucs. Et... Voilà. Un petit peu de bordel par-ci par-là. Donc on viendrait. Ah ouais, c'est un truc ça. Par contre, je sais toujours pas où il est ce truc là. Il est là. J'ai des nouvelles quêtes, je crois. Ah, ça c'est des lords de la domination. Les réponses de centre, c'est ça. Et je me suis rendu compte aussi que les comptes perdus étaient un pan de l'histoire. Mais bon. Encore une zone que j'ai pas été. Ouais. C'est une zone où je peux me TP? Non. Ok. Et où c'est que je peux me TP là-dedans? Oh, on va prendre le bateau depuis ici. Et on va y aller tranquillement. Là, j'essaie d'enregistrer au max pas mal d'épisodes d'affilée, histoire de d'être bien en termes de contenu sur la semaine. En fait, je l'ai fait là pendant quelques temps parce que c'était prétendu en termes de... De possibilité de tourner. Mais moi, j'ai jamais été quelqu'un qui tourne au jour le jour. Il y en a qui le font, hein, ça passe très bien. Peut-être que ça offre un peu plus de fraîcheur pour certains contenus. Parce que ça peut être des contenus qui se regardent surtout sur l'instant. J'ai vu un truc à récupérer là-bas, moi j'y vais direct. Hein. Bah bien sûr. Donc ouais, la fraîcheur et tout ça, c'est compliqué en fait. Et ouais, pas compliqué, mais c'est juste que vu que je suis aussi streamer, même si à l'heure actuelle je suis dans une pause forcée à cause de la connexion internet qui n'est pas présente, à cause de problèmes de santé qui ne permettent pas de streamer dans des conditions optimales. Vous savez, le problème à l'œil et tout ça. Le problème, c'est que ouais, j'ai cette fraîcheur en stream, donc est-ce que je cherche une fraîcheur en vidéo? Je sais pas. Pourtant, ça devrait. Quoique, là, on est sur des let's play, on n'est pas sur des trucs instantanés, tu vois. On va dire que le let's play, ça peut être intemporel, dans le sens où il y a des gens, s'ils ont envie de regarder le let's play du premier Assassin's Creed, bah, il y a... Il existe depuis longtemps, tu vois. Allez, pleine vitesse. Voilà.
On va s'amarrer ici. On arrive en honneur, capitaine. Ça me change quoi? Barrez à tous de barrez! Zone neutre, ils ont dit. Pas compris. C'est assez sombre dans le coin là. C'est brumeux. Mais je me demande toujours si j'aurai le temps de proposer en day one le Let's Play d'Assassin's Creed Shadows. Quand je me rends compte que là, il va me falloir presque une vingtaine d'épisodes pour finir ce DLC. Une trentaine pour faire celui-là de. De. Essayons comment ça de s'appelle une révolte pendant que nous sommes ici. D'accord, Icaros ? Une trentaine sur le sort de l'Atlantide. Après, il y a Valhalla avec tous ses DLC. Mirage. C'est chiant. Et vu que des fois, il y a des pans d'histoire qui se poursuivent d'un jeu à l'autre, hein, par exemple, entre. Valhalla et. Mirage. Compliqué de les faire en même temps et ça changera pas grand chose au schmilblick en vrai. Une ombre qui s'est déplacée. Que m'est-il arrivé? Les gardes sont arrivés. On les a tués proprement. Il est resté pour surveiller tout autour et puis il est tombé. Il y avait du sang partout. C'était une ombre. Une ombre. Quelqu'un a fait un carnage. Ouais. Darius. Porteuse d'aigle. Je crois que tu l'appelles plus Cassandra. Je ne pensais pas te trouver ici. Sois heureuse que je ne t'ai pas prise pour l'un d'eux. Et que fais-tu en Messenia? Si Elpidios est en vie, il est avec Amorges. Messenia est le bastion d'Amorges. Tu as visiblement compris ça toute seule. Mais il sera difficile de le retrouver. Il est bien trop protégé. Je vais détruire cette ville. Je vais commencer par les portes, casser quelques têtes. Rien ne se mettra entre Elpidios et moi. Non, un tel plan ne viendra jamais à bout d'Amorges. Il doit être plus précis que cela. Amorges a toute l'armée spartiate avec lui, menée par ses commandants les plus fidèles. Il nous faut d'abord affaiblir ses forces pour pouvoir approcher de lui. Ce n'est pas impossible. L'Ordre possède une grande ligne de production d'armes. Et il y a un commandant derrière tout cela. Commence par parler aux Ilotes. Ils pourraient savoir où ils se trouvent. De plus, le culte de Cosmos renforce l'Ordre en Messenia, sous la supervision de Démocrates, un commandant de l'Ordre. Si nous nous débarrassons de lui, le culte ne sera plus un problème. J'ai des projets le concernant. Une dernière chose. J'ai entendu dire que l'Ordre a capturé un général athénien. Il est absolument vital à mes plans. Il faut le libérer et lui donner cette lettre. Et je retrouverai Elpidios. Dis-moi plus sur Démocrates. Amorges l'a chargé de gérer les relations avec le culte. Il est connu, mais il fait rarement des apparitions en public. C'est une occasion unique de s'en occuper. Sympa.
Ce général athénien, qu'attends-tu de lui? Si nous le libérons, nous en ferons un puissant allié. Où trouver les ilotes qui possèdent des informations sur le commandant? En Épeia. C'est dans cette région que les armes sont produites. Je m'en occupe. Nous frapperons fort, et vite. Nous? Si nous y travaillons tous les deux, cela ira plus vite. Retrouver Elpidios est ma seule priorité. Je tolérerai ta présence jusque-là. Bien. Nous sommes sur la même ligne. J'ai perdu assez de temps ici. Quand tu en auras fini avec l'ordre, reviens. Nous aurons encore à faire. Je le vois. Trouvé. Donc j'ai plusieurs missions. Hein. Ah, il y a ça aussi. Ok. Elle est tranquille. Pourvu que personne ne me remarque. Il y a quelque chose là-bas. Non, c'est faux. Voler nos provisions. Quand comprendrez-vous qu'il ne faut pas nous énerver? Hein? Ça, il faut que je trouve d'où ça venait. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh non, lui... J'aurais pas en one shot, hein. Si tu crois. Oui, t'es un spartiate, tiens. Discrétion et de mise dans ce coin. Grâce à toi, j'ai retrouvé la liberté. Allez. Arrêtez de vous plaindre! Arrêtez de chialer! Je te dois la vie, Mystios. Surtout que les dieux te gardent. Hey.
Ok. Et... Mettre les îlots en lieu sûr. Hey, Minka. Voilà. Maintenant, il faut aller chercher les îlots. Je suis là. Je ne sauve pas. Je te dois la vie. Merci, Mystios. As-tu vu une ilote qui s'appelle Rod? Oui, elle a été emmenée au centre des Peya. J'ai entendu dire qu'elle y trouvera la mort. Et merde. Le centre de la ville. Je dois me dépêcher. Pourquoi Oh. Ta mort servira d'avertissement pour les autres. Je me fiche de savoir à qui ça appartient. Nous avons faim. Si tu es là pour profiter du spectacle, la vue est encore plus belle d'en bas, avec les autres. Qui es-tu? Je suis pressée. Je suis impatiente. Je suis de mauvaise humeur. Alors je n'ai pas le temps de bavarder. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi aussi, tu veux tuer cette femme? Disons que je ne suis pas d'humeur cordiale, alors si vous voulez garder vos bras et vos jambes, je vous conseille de partir. D'accord. Que les pleutres laissent leur honneur ici et partent la queue entre les jambes. Quant aux braves, tous sur la Mystios. Allez, attends, tu vas recevoir ce que tu mérites. Non, je veux pas. Chance, hein. Non mais t'es sérieux ? Je vais payer je sais pas combien, mais il y a un carré, j'ai pas envie de me mettre avec un... Il y a déjà trop de mecs qui se sont mêlés de cette histoire-là.
Je voudrais bien parler à Madame, mais il y a trop de monde. Heureusement que je suis doué. Hein. Heureusement qu'ils sont cons aussi, mais ça c'est un autre débat. Hey, ils ont commencé tous à se rappliquer. Moi j'étais là en mode mais non, je veux pas. Il y a une grande porte ici, donc ça, c'est un peu compliqué. Là, j'attends juste que je sois plus en griller, c'est bon, j'y vais. Il reste plus que l'autre, hein, ou c'est tout le monde? Non, c'est encore tout le monde. Hein. Regardez, heureusement! Heureusement. Est-ce que je suis libre ou pas? Est-ce que je peux arriver là? Me balader? Pardon? Non mais ça devient trop. Et ce jeu c'est une horreur. Mais en quoi? En quoi je suis détecté? Je me suis juste montré 2 secondes là-bas. Des signes de son passage? Rien vu, rien à dire. On va l'attraper. Il suffit d'ouvrir l'œil. Je continue à chercher. Bon, bien, c'est fini. Ce chien ne m'échappera pas 2 fois. Ce chien? Pas le meilleur, hein. Vous vous rendez compte quand même? En fait, il sait même pas quoi faire. Il est obligé hein, de me fracasser avec. Hein. Bon. Soulagement. Merci, Mistios. C'est une bonne chose que tu sois venu. Ouais. Je cherche le commandant. On m'a dit que tu savais quelque chose à son sujet. Le commandant? Oh oui, je le connais. Ça me rappelle de bons souvenirs. Je travaillais pour ce Malaka. Ce commandant a l'air horrible. Il est sans pitié. Il nous faisait travailler jusqu'au sang, et on ne pouvait que pleurer sur notre sort toute la nuit. Les enfants eux-mêmes n'étaient pas épargnés. Voilà pourquoi je vole de la nourriture. Il n'y en a jamais assez. Tu as eu de la chance, je suis arrivée juste à temps. Comment t'ont-ils attrapé? Ils m'ont prise en train de voler une miche de pain et m'ont condamnée à mort. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut faire si je les vole encore et encore? Mène-moi au commandant. Je lui planterai ma lame en pleine gorge. Tu comptes l'exécuter? Formidable. Des choses se passent en Messénia, Mistios. Regarde comme nous souffrons, comme nos enfants souffrent. Quelque chose de meilleur les attend forcément quelque part. J'ai un plan pour faire partir les enfants, mon fils et les autres. Aide nos enfants et je t'aiderai en retour.
Je vais t'aider, mais tu dois me dire où est ce commandant. Quelle bonté, Mystios. Je te le promets, tu trouveras ta cible. Mais s'il te plaît, ne le tue pas devant les enfants. Quel est ton plan pour libérer les enfants? Nous avons un pêcheur qui est grassement payé pour ça. Nous devons emmener les enfants à son bateau près des quais. Mais il faut faire vite, car il partira bientôt. Conduis-moi. Suis-moi. Ils sont encore en mode de suspicion, je pense, donc... Je passe par là. Hop. Va plus vite, hein. Mère, mon petit caillou. Pas le temps de parler. Nous devons partir. Maintenant. C'est qui? Une amie Mystios. Elle va nous aider à quitter cet endroit. Écoutez-moi. Mère dit de suivre la Mystios. Restez en groupe pour ne pas vous perdre. C'est important. Est-ce que tu as un nom de héros, Mystios? Un nom de héros, c'est quelque chose pour les plus grands de tous les héros. Ça peut être le nom d'un animal avec le temps qu'il fait. Dites-lui vos noms héroïques, les enfants. Moi, c'est le loup des tempêtes. Moi, c'est le requin des éclairs. Non! Moi, c'est... Je savais que je te trouverais là, porteuse d'aigle. Tu as gagné. Ils avaient raison. T'es toujours au centre du chaos. Maintenant, pourquoi ne pas t'écarter et me laisser faire mon travail? Je m'occuperai de toi. Et de toi, après avoir récupéré les enfants. Ils ont encore du travail. Ne mêle pas les enfants à ça. Je vais m'amuser à te regarder te noyer dans ton sang. Il est temps de mourir. Ah ouais. Oh! Ils sont fous, hein! Je vais annuler la prime parce que si c'est pour avoir un mec
Sauvez-vous. Non mais vous êtes sérieux ? Tu peux pas partir tranquille d'un truc sans qu'il y a 159 mecs sur ta gueule, quoi. Il est où ce con ? Oh, nique ta rhum. Mais attends, si je regarde en termes de membres du culte, il n'y en a aucun là. D'accord. Là, j'ai tué le dirigeant devant tout. Pourquoi tu n'en choisis pas un pour moi ? Petit caillou, il est temps pour toi de partir. Tu ne viens pas ? Je ne peux pas. Je dois rester ici et travailler pour pouvoir revenir vous voir un jour. Non ! Non ! Où est papa ? Où est maman ? Je ne peux rien faire sans toi, maman. Qui me prendra dans ses bras si je fais un cauchemar ? Mistios, je ne sais pas. Maintenant que nous y sommes... Je ne crois pas avoir le courage de les faire partir. Bah, va avec eux. Ne nous fais pas partir, s'il te plaît. Les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents. Tu devrais rester. Je peux rester ? Mère, nous allons rester ensemble. Mon petit caillou va rester. Mais est-ce réellement le bon choix ? Séparer ces familles serait terriblement cruel. Ça pourrait l'être davantage de les forcer à vivre en Messénia. Sincèrement, je ne sais pas si nous pourrions les protéger.
Nous nous battons toujours pour nos enfants. Oui, toujours. Et tu as eu ton commandant. Merci, Mistios. Puissent nos chemins se recroiser. T'es mort par là. D'accord. On va voir la prochaine quête. Peut-être comme on va peut-être la commencer. Truc. Hein, c'est vrai que j'ai un indice ici. La mage cherche à faire progresser les progrès de l'ordre pour le monde grec. Ok. J'ai quoi dans mon inventaire? Ah ouais, je savais même pas que j'avais le bâton d'Hermès comme ça. C'est marrant. Ok, j'ai quoi? Donc la prochaine quête, pas ça. Alors dans le cosmos, c'est juste à côté. Bah go! On va y aller tranquillement. Ah, c'est vrai qu'on a foutu le bordel ici. Hein. Par contre, c'est brumeux dans le coin. Je sais pas pourquoi. J'ai cru voir ça, mec, hein, t'inquiète, hein. C'est là, quand même. C'est des endroits qu'on... Là, les quêtes les DLC, le DLC nous envoie sur des endroits qu'on n'avait pas fait. Ce qui est étonnant. En même temps, aucune mission nous oblige d'aller là-bas. Donc, pourquoi on a arrêté là-bas? J'en ai marre de ce genre de truc. Parce qu'en fait, c'est plus de la grimpette ici. Il a décidé que je pouvais plus grimper. Au lieu de passer le mode en mode course classique. Allez. Mon but, c'est de faire... le truc plus qu'autre chose, là. J'essaye, hein. J'ai cru voir une silhouette, j'ai balisé. Ouais, c'est juste à côté. On va faire ça. Hein. On verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels, le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se rendez-vous pour de prochaines aventures. Allez, ciao.
Ciao, bye bye.